Vous êtes en danger. Tu avais donc bien raison. Vous êtes la personne de la photo. Oui, mais d'où vient cette photo? Je vais vous montrer quelque chose. Cette histoire vous dit quelque chose? Non. Et je vois toujours pas le rapport avec la photo. Je crois que toutes les victimes ciblées font partie de votre classe. J'ai mené mon enquête. Et il se pourrait que le tueur ressemble à ça. Vous l'avez déjà vu? Non. Le bouffon. C'est comme ça que les journalistes l'appellent. Il marque ses victimes d'un sourire de l'ange. Vous parlez de recherche. Vous êtes détective? Non. Là, c'était ma sœur. Je suis désolée, je la connaissais très peu. Allons prendre l'air. Et ça fait combien de temps que vous enquêtez? Ça fait 7 mois que ma sœur est morte. J'ai pas arrêté depuis. Je dors plus. La police a décidé de classer l'affaire. J'ai réussi à trouver des crimes similaires. C'est surtout la photo qui m'a tout fait comprendre. Mais comment vous m'avez trouvé? Je crois que j'ai compris son mode opératoire. Il tue en fonction des places des filles sur la photo. Mais quelle horreur! Pourquoi faire ça? C'est un psychopathe, il a pas besoin de motif. C'est quoi ton nom déjà? Benoît. Aide-moi. Je ferai en sorte que tu restes en vie. Merci.